Non. Eh bien, on va raconter des histoires. Je dis on va raconter des histoires parce que normalement, c'est toujours le conteur, celui qui raconte l'histoire. Sauf que ici, on va se mélanger un petit peu les rôles. C'est-à-dire que moi, je vais raconter des histoires, mais je ne serai pas le seul. Vous aussi, vous allez en raconter. En tout cas, vous allez m'aider à raconter mes histoires. Il faisait. Fais avec moi. Fais avec moi. Fais encore avec moi. C'est bien, vous vous êtes tous brossé les dents. Ces styles, je vais vous les laisser. Par contre, ce n'est pas vous qui allez les choisir, vous les allez faire tirer à un enfant autour de vous. Alors, vous pouvez évidemment privilégier ceux que vous avez amenés parce que vous les aimez plus que les autres. Ou alors faire en sorte de faire participer tout le monde. La personne juste derrière vous n'est pas un enfant, même s'il y ressemble. Heureusement, il est tombé en panne juste à côté de l'aéroport. Coup de chance, me direz-vous. La plage n'est qu'à 5000 km. Ça tombe bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Deux planches et une tondeuse. Je peux peut-être inventer quelque chose, se dit-il. Il attache les deux planches l'une à l'autre, met la tondeuse à l'avant et... Ça faisait longtemps qu'il voulait sortir! Oh, une petite danseuse dans une boîte à musique. Laissez-moi vous la montrer. Elle a ses mains qui se joignent au-dessus de sa tête. Et elle tourne, tourne, tourne. Pas trop vite, autrement elle va vomir, vomir, vomir. Et quand elle a fini de danser, elle va s'asseoir sur sa chaise. Non, l'autre chaise. Pour cette histoire, avant de démarrer, je vais avoir besoin d'une petite idée générale. Est-ce que tu as une idée générale? C'est à fond là, c'est les Spice Girls. C'est-à-dire, il va aller au magasin et donner des trucs au magasin. Il va donner des trucs aux gens autour des magasins. Il va donner des trucs aux oiseaux autour des... Il va probablement donner des trucs à des gens venus d'une autre planète. Très bien. Tu me facilites la tâche, Paul. Tu vas me surveiller pour être bien sûr que je n'entends rien du tout de ce qui se passe ici, d'accord? Tu t'appelles? Loris. Moi aussi, je m'appelle Loris. Ça a un côté pratique, j'aurais moins de chances de me tromper. Loris, un et demi, deux, trois. Loris, toi, tu vas rester avec Jérôme. Je peux t'appeler Loris? Appelle-moi Loris. Il va falloir atterrir. Apprécier le travail technique de ce spectacle. Atterrissage par derrière. Venez m'en empêcher si vous êtes assez grand et assez fort. Dans 30 secondes, tous les animaux vont mourir. Venez tenter... Non! Non! Non, jamais! Non, c'est trop dangereux! Les animaux sont méchants! Non! Attention, il y a deux chaises pour une dernière histoire à ce spectacle. Oh que si! Encore trois? Encore 300! Si tu suis ma carrière, j'y arriverai peut-être. Roman, comment ça va? Bien. Aïe! Oh! Ça va pas ou quoi? T'es une copine de Paul ou quoi? Installe-toi, mais calme-toi, calme-toi. Cette chaise est gentille, ne lui fais pas de mal. Eh bien, Roman, est-ce que tu aimes raconter des histoires? Ça tombe bien. Eh bien, on va en raconter une ensemble. C'est aussi simple que ça, c'est que quelqu'un va nous donner une petite idée après, on va venir chercher, et puis ensuite, chacun notre tour, on va parler, on va raconter une seule histoire jusqu'à la fin, d'accord? Ah! Ah!
Et le chat commence à jouer de la musique. Il fait... Mais il fait aussi... Et il fait aussi... Et à un moment, il joue de la batterie. Mais la batterie est un peu plus loin dans la maison. Faut y... Oh ouais, c'est bon. Alors, plutôt que de laisser partir le chat, il le met sous le bras. Il est velu et il a transpiré toute la journée. On peut imaginer la tête du chat sous le bras. Comme ça. Et ça sent mauvais. Oh ! Une histoire ? Je sais pas ce que c'est. Vous en voulez une autre ? Vous en voulez deux autres ? Vous en voulez trois autres ? Je joue dimanche prochain.